Salut tout le monde! Ça fait une éternité que j'avais pas filmé de vidéo pour YouTube, mais je suis trop contente. Je tenais absolument à tourner cette vidéo car ça fait 2 mois à peu près que je fais une sorte de régime. On va pas dire régime, mais plutôt un rééquilibrage alimentaire qui fait que j'ai déjà perdu en 2 mois presque 10 kilos. Je suis à 9 et quelques. Du coup, je reprends bientôt le boulot et je n'ai pratiquement plus de fringues qui me vont parfaitement bien. Donc pour ça, j'ai décidé de recommander sur Shein. Tous ceux qui m'ont déjà suivi, qui ont déjà vu mes vidéos précédentes, savent que j'adore ce site, j'adore commander là-dessus. C'est très pratique si jamais les affaires ne nous vont pas, je sais très bien où aller et ça va très rapidement pour se faire rembourser. Oh, la luminosité là, elle a changé, il y a le soleil qui s'est soudainement levé. Enfin bref, je vais faire une vidéo en 2 parties parce que j'ai commandé d'abord une première fois et ça a mis un certain temps avant d'arriver. Et j'ai commandé une deuxième fois parce que j'ai recraqué sur d'autres affaires et à mon avis le colis va pas tarder à arriver non plus. Donc du coup ça va faire trop pour une seule vidéo. Du coup je commence par ma première commande et dès que la deuxième sera terminée, montée et publiée, je vous la mettrai juste ici. Du coup commençons parce que sinon ça va durer une éternité. A savoir qu'à chaque vêtement je vais vous faire un try on, mais avant je vous présentais le produit, je me filmais porter et je revenais vers vous pour vous en parler, mais ça prend beaucoup trop de temps cette fois, je vais simplement vous le présenter, filmer le try on et puis dans le montage vidéo je me mettrai sur le côté, je vous mettrai une partie où j'expliquerai si ça va, ça va pas, trop petit, etc. Et voici la bébête. Oh là là, j'avais tellement hâte de recevoir ce colis, vous savez même pas à quel point. En plus, j'ai pas commandé que des affaires, essentiellement il y a des vêtements, mais il y a aussi 2-3 petites autres choses que j'ai achetées, mais je vais vous montrer. Donc pour commencer, c'est une robe col bardo avec plis qui est toute rouge. En sachant que je l'ai pris en taille L, sachant qu'il y a 2-3 mois je faisais du XL, voire 2XL à certains moments. Donc franchement, les tailles c'est vraiment au pif, j'ai fait par rapport aux photos, pas par rapport aux mensurations parce que réellement ça veut rien dire. Et je sais pas du tout où j'en suis en fait en ce moment, donc je vais bien voir. Mais en tout cas du coup je l'ai pris en taille L, elle coûtait exactement 21 €, mais sur Shein quand vous dépassez un certain montant, vous avez moins 5, moins 10, moins 15, moins 20% à chaque fois. Du coup moi vu que j'avais fait une grosse commande, c'est passé à 15,67 €. Et franchement, je vous mettrai une petite photo ici, elle est vraiment magnifique quoi, je la trouvais vraiment trop belle. Donc j'espère qu'elle va m'aller parce que sinon je serais trop déçue. Alors, déjà, elle est rouge avec des petites paillettes, c'est vraiment trop beau. C'est un tissu à mon avis qui est extensible, donc ça c'est parfait quand on a des formes. Et elle est comme ça, donc en effet, ça fait un peu short, ou alors j'ai vraiment pas l'habitude des trucs un peu plus serrés, mais vu qu'elle est extensible je pense qu'elle sera jolie. Je sais aussi qu'elle fait de jolies fesses, donc j'ai plutôt hâte de l'essayer. Elle a aussi des petits froufrous sur le bout des manches, des petits boutons sur le devant et une fermeture dans le dos qui descend assez bas. Oh là là, mais elle est trop belle. Je m'attendais pas à ça, donc ça va, elle vaut quand même son prix. Même si de base 21 € pour Shein, ça paraît cher. Le tissu est quand même assez épais, on va dire que c'est pas non plus du cheap, on va dire. Et je suis plutôt confiante. Mais bon, dans le try one, je vous montre, je vous dirai si ça me va ou pas et ce que j'en pense. C'est une robe en satin, c'est une robe en satin verte. C'est pas un vert vert, il y a 2 couleurs de vert dans cette robe. Il y a la verte normale et la verte céladon, je sais plus du tout. J'ai pris la céladon et ça faisait un moment que je la voulais, mais genre affreux. Elle est vraiment trop belle, surtout bah, sur les photos avec les mannequins quoi. Mais j'ai eu aussi des commentaires ou même des filles qui ont des formes ou non, leur allait vraiment très bien quoi. Moi j'ai juste peur pour la poitrine, j'ai peur que ça se voie trop. Mais à part ça, elle est vraiment splendide. Donc déjà au niveau du tissu c'est doux, c'est soyeux, hein, comme du satin. Au niveau de la
taille, ça m'a l'air d'aller. Je vais voir par rapport vraiment à la poitrine et les bretelles, mais au cas où, elle se resserre. Donc ça aussi, c'est bien. Et il y a aussi deux petites lanières en bas qui apparaissent au niveau des cuisses à droite et à gauche pour pouvoir serrer si vous voulez la porter un peu plus longue ou un peu plus courte. Mais je la kiffe trop. J'espère juste qu'elle va m'aller au niveau du ventre et que ça va pas trop montrer mes formes, surtout au niveau du ventre quoi, parce qu'il n'y a rien de glamour là-dedans. Mais déjà elle me paraît un petit peu extensible, donc ça c'est cool. Et voilà, j'ai hâte de l'essayer. Là je l'ai prise en taille L, elle coûte de base 15,99€ et après le code promo elle est passée à 12€ pile poil. Donc ça va, elle est pas trop chère pour une jolie robe. Bon après c'est pas à porter tous les jours, je pense que c'est plus pour des occasions, des anniversaires, des mariages, etc. Mais j'ai beaucoup trop craqué et vous l'avez en plein de couleurs. Ensuite, quand je suis un peu frileuse, j'ai pris une robe de chambre de nuit en satin et noir. Il me semble qu'elle a... Ouais, il y a aussi des fleurs dessus. Ça se... Oh non, c'est même pas des fleurs, c'est des sortes d'oiseaux. Elle a l'air vraiment jolie. J'adore ça le matin, je trouve ça sexy et très glamour. Donc je voulais absolument tester. Et la voici. Elle est vraiment trop belle. Elle a pas l'air... De toute façon, c'est une sorte... Ça doit cacher un peu les fesses, mais pas trop. Mais elle est vraiment trop mignonne. J'ai hâte d'essayer. Pareil, elle est toute douce. Elle a des petites elle a une petite lanière pour pouvoir faire un nœud devant. Alors c'est pas accroché, hein, donc vous pouvez l'enlever si ça vous intéresse pas. Elle a des petits froufrous au bout des manches. Par contre c'est mi-long, donc ça doit arriver à peu près au niveau des coudes. Et cette robe de chambre en satin, de base elle coûte 13,99€ et après le code promo elle est passée à 6€. Donc soit moins 50% même encore un peu en dessous, c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai pris une blouse Baby Doll fleurie rouge. Pareil, c'était vraiment le dernier achat, enfin le dernier truc que j'ai mis dans mon panier. Je l'ai croisé en voulant payer mon panier. Et j'ai dit non, mais il me la faut absolument quoi. Elle est vraiment trop mignonne, du moins sur les photos. Et la voici. Elle est vraiment trop chou. Donc elle sert un peu plus au niveau des seins et au niveau du ventre, ça fait un peu plus évasé. Les manches sont assez bouffantes mais se resserrent un peu à la fin. Et franchement, les fleurs, elles sont... Le motif est vraiment trop beau, quoi. J'adore. Bon, souvent sur Shein, vous voyez ce genre de choses, mais ça arrive, vous mettez un petit coup de ciseau ou un petit coup de briquet et c'est parti. Donc, au niveau de la taille, je pense que ça va m'aller. C'est assez large. J'ai pris quelle taille? J'ai pris... M, pour vous dire. À mon avis, sa taille est grand. Hein. Donc, j'ai pris une taille M et ça m'a l'air assez correct. Donc, à voir au niveau de l'essayage. Et cette petite blouse, elle coûtait 10€ pile poil de base et je l'ai payée 7,50€ avec la réduction. J'ai pris pas mal de blouses hein, parce que pour le boulot, entre le printemps et l'été, voire même l'été, je trouve que ça se porte très très bien et j'en avais plus assez, voire même plus du tout. Il me semble que j'en ai que deux. Et j'en voulais absolument pour le travail, surtout qu'il faut être assez présentable. Donc voilà. Une autre blouse, alors elle c'est blouse avec imprimé confetti blanche. Des fois ils mettent de ces noms, c'est marrant. Alors, elle se présente comme ceci. Alors elle m'a l'air un tout petit peu, mais vraiment léger parce qu'elle a, on dirait qu'elle a une doublure, j'en sais rien du tout. Mais elle a l'air quand même légèrement transparente, mais il n'y a rien de bien choquant quoi. Ça fait une sorte de petite blouse hein, à manches longues. Elle a l'air un peu plus bouffie au niveau de l'avant-bras,
Je sais pas si vous allez bien voir, ça serre un peu ici et ça bouffe un peu au niveau des d'ici. Elle est très douce, très agréable au toucher, donc, et ça c'est vraiment bien l'été, on a beaucoup moins chaud qu'avec du coton ou quoi. Et au niveau de la taille, elle m'a l'air vraiment d'aller, ça, je sais pas du tout non plus quelle taille c'est. Ça, c'est encore une taille M, donc pareil, ça doit tailler un peu grand ou un peu oversize, donc je pense que ça va m'aller. Je l'ai achetée, alors elle était à 12,49€ et après la réduction elle est passée à 9,37€. Ensuite, j'ai pris une autre blouse qui lui ressemble comme, on va dire, deux gouttes d'eau, sauf qu'il y a des boutons, il me semble. C'est une petite blouse marron comme ça, avec des petits boutons devant, mais... Ah si, ça va, ça fait vraiment tout le long. Par contre, c'est vachement plus court à l'avant qu'à l'arrière, donc ça j'ai peur du coup au niveau du ventre, parce que ça va faire ressortir un peu le ventre, j'imagine. Mais sur les photos, ça avait l'air mignon. J'ai peur un peu de la taille car c'est aussi... Ah non, là c'est même carrément une taille L. Mais vu que c'est pas un tissu qui s'élargit, j'ai peur que ce soit un peu juste au niveau des épaules. Après, bah vu que j'ai perdu du poids, je sais pas du tout si ça va m'aller. Vu comme ça, ça devrait être pile poil. Mais alors, pile poil quoi. Hein. Je sais pas. À voir. Elle est un peu transparente, mais comme pour l'autre, c'est pas... C'est pas le transparent vulgaire quoi, c'est un transparent assez correct. Et pareil, le tissu est super léger et super doux et c'est parfait pour l'été. Alors cette blouse, je l'ai achetée, elle était, bah c'est comme l'autre en fait, le même prix, 12,49€ de base et je l'ai achetée à 9,37€ après le code promo. J'ai pris un top à imprimer, c'était écrit. Ah oui, c'est, je vois en plus lequel c'est, il est juste là et au niveau de la couleur, en fait c'est une sorte de t-shirt avec un petit trait devant, avec des imprimés assez jolis qui me convient parfaitement. Donc voyons voir ça. Hop. Alors déjà le tissu est vraiment doux, pareil, léger pour l'été, c'est parfait. Et ah, ça va, il est assez oversize, on va dire. Parce que j'ai pris quelle taille cette fois? J'ai pris la taille M, donc pareil, ça doit tailler quand même assez grand pour les vrais M. Vraiment, vraiment trop mignon, quoi. Et on voit bien la petite bande et tout, et le décolleté est pas trop vulgaire, donc ça m'a l'air plutôt sympa. Je l'ai acheté, alors de base il coûtait 4,99€, donc presque 5€. Et après le code promo, je l'ai eu à 3,75€. Donc, autant vous dire que je suis plutôt contente. J'ai acheté deux tops à épaules dénudées et fleuries. Il y en a un qui est noir et un qui est blanc. Les deux, hein, vous inquiétez pas, mais vous les présente en même temps parce que du coup bah, c'est les mêmes. Je savais pas du tout quelle couleur choisir et je me suis dit blanc c'est peut-être transparent donc je vais prendre un noir au cas où. Mais le blanc il était sympa aussi. Le tissu c'est vraiment... Alors je saurais même pas l'expliquer mais on dirait que c'est un peu imperméable. Mais c'est parfait pour l'été ce genre de tissu, ça tient pas chaud. Et les voici. Oh ils sont vraiment trop mignons. Ils sont un peu courts, donc je sais pas ce que ça va donner. Ça devrait m'aller genre au niveau contour, mais au niveau longueur, je verrai bien. Voici le blanc. Le blanc, j'espère qu'il soit beaucoup trop transparent. Ouais, si ça sera transparent après avec un autre top en dessous ou un petit truc, ça peut être sympa. Mais pareil, il est trop mignon quoi. Alors que ce soit l'un ou l'autre, ce sont des tailles L. De base, ils coûtaient 5,49€ et ils sont passés à 4,12€ après le code.
j'ai terminé juste pour les vêtements, hein. Maintenant il y a les accessoires, etc. que j'ai hâte d'ouvrir aussi. Alors le prochain c'est lunettes de soleil écailles de tortue. J'ai hâte. Alors ce que j'adore chez Shein, c'est qu'à chaque fois qu'ils vendent leurs lunettes, ils vendent un boîtier avec. Et c'est vraiment le seul site où je vois ça. C'est hallucinant. Et je trouve ça vraiment pratique parce qu'on n'a qu'une des lunettes, on ne sait pas où les ranger, du coup on les raye, etc. Et c'est super chiant. Alors que là, il y a la petite boîte Shein. Et c'est pratique. Hop. Alors, oh, c'est bien emballé. Je vais vous montrer. Quand on l'ouvre, on sort les lunettes et c'est carrément bien emballé, quoi. Dedans, il y a même la petite lingette pour nettoyer, pour vous dire. Hein. Et c'est pas des lunettes qui coûtent bien cher. C'est sur-emballé même. Elles sont vraiment trop... Oh, elles sont magnifiques. Je sais pas si vous allez voir, mais je les trouve vraiment, vraiment, vraiment trop belles. Alors, je sais pas du tout si ça va m'aller, parce que c'est quand même bien transparent. On voit bien les yeux, hein. C'est pas fait pour cacher les yeux. Mais quand il y a un tout petit peu de soleil, ou juste pour faire joli... Ça peut être pas mal. Essayons ça. Waouh. Elles sont vraiment trop belles. Alors je sais pas du tout si j'ai une tête à lunettes, mais c'est grave pratique. En plus elles sont bien grandes. Je vois bien. Alors c'est dommage, j'ai plus de soleil pour essayer, mais elles sont trop belles. Non bah écoutez, je suis pas déçue. Hein. Alors, ces lunettes de soleil de base étaient à 4,75€, donc de base c'est vraiment pas cher. Et elles sont passées à 3,57€ après le code promo. Donc j'arrive pas à trouver mieux ailleurs en question de lunettes. Alors là, c'est un miroir de bureau blanc. Alors, je galère tout le temps avec mes palettes de maquillage pour les caler histoire de me voir dans le miroir des palettes. Parce que j'ai que des miroirs, genre dans la salle de bain, mais accrochés au mur, dans le couloir, mais accrochés au mur, donc... Je me maquille tout le temps là-bas, mais dès que je dois filmer ou me poser, c'est un peu plus galère, quoi. Et j'ai vu un super beau miroir de bureau blanc sur Shein. J'ai peur au niveau de la taille, mais déjà, sur les photos, ça avait l'air vraiment sympa. Pareil, vu que c'était pas emballé avec des papiers bulles, j'espère que c'est pas cassé non plus, parce que là, c'est dans un carton. Mais découvrons-le. Donc j'imagine, de toute façon, ça peut être que là-dedans, dans ce petit carton. Donc le carton est défoncé. Bon, déjà, il y a un papier bulle à l'intérieur. On est peut-être sauvés. Ça n'a pas l'air cassé. Déjà, le miroir n'est pas brisé. Waouh. Je le monte et je vous le montre. Et attention, tadam. Il est juste magnifique, quoi. J'adore. Il fait un peu ancien et en même temps... récent, enfin je sais pas, c'est un peu compliqué à expliquer. Alors, il se tourne comme ça, et vous avez d'un côté le miroir normal, et de l'autre côté c'est un miroir zoom. Et pareil, au début je voulais l'acheter, je ne savais même pas qu'il y avait deux côtés de miroir dont un zoom, donc je suis plutôt contente. Non, en plus il est vraiment vraiment sympa, quoi. Enfin, je le trouve vraiment kiki, je sais pas vous, mais la déco et tout dessus c'est trop bien fait, donc, même si c'est en plastique c'est pas gênant, hein, mais en même temps vu le prix ça va pas être du marbre. Mais je le regrette pas du tout, quoi. Il est vraiment trop beau. Ce miroir était de base à 9,27€ et il est passé à 6,94€ après le code. Bon, et pour finir, là c'est que des boîtes de rangement. Parce que je manque un peu de boîtes de rangement pour ranger mes pattes ou bientôt là pour le travail pour amener. Sachant qu'en plus je fais attention, donc faut vraiment bien que je trie ma nourriture, on va dire. Et j'ai trouvé quelques trucs sympathiques. Dont le premier, une boîte de rangement aliments simples. Ah mais oui, c'est cela. En fait, cela je l'ai peut-être pour la nourriture ou peut-être pour autre chose, je sais pas. Mais je trouvais ça sympa aussi quand on veut faire des masques maison ou quoi. Donc, ça m'avait l'air sympathique. Ouais bon, après c'est vraiment du plastique, c'est pas en verre, ça se tord aussi, c'est tout mou. C'est vraiment rayé dans tous les sens. Donc c'est vraiment le truc à pas acheter bien cher, je sais même plus combien j'ai acheté. Donc voilà, je suis un petit peu déçue pour le plastique, mais à part ça, c'est pratique quoi. 1,75€ de base et c'est passé à 1,32€. Donc au pire, 1€ ça vaut le coup, un peu plus ça vaut pas trop le coup, mais, mais c'est pratique. Ensuite j'ai pris une boîte double rangement aliments. Ah celui-là je voulais trop, surtout pour le boulot. Par exemple comme ça, vous pouvez mettre des petits trucs à grignoter à l'intérieur, c'est plutôt pratique. Vous avez un côté et l'autre pareil.
Oh, il y a même un cordon. Je savais pas. Et j'ai acheté ça. Alors de base, ça coûtait 2,75€ et je l'ai eu à 2,07€ après le code. Ensuite, j'ai acheté un truc pour les pâtes, parce que j'en manquais et je trouve ça super cher en magasin. Plus tard, je m'achèterai les gros qui ressemblent aux gros pots en verre à de bonbons là. Mais pour l'instant, j'ai pas trop les moyens. Donc, je vais me dépanner avec celui-là qui est déjà très sympa. Bon, là, c'est la taille XL et encore, je m'attendais un peu plus gros pour du XL. Cette fois, le plastique n'est pas tout mou, mais bien épais. Bon, rayé, mais bon, ça, on peut pas faire sans. Et de base, en plus, il coûte quand même 4,50€. Bon, c'est toujours moins cher qu'en magasin, mais bon. Et il est passé à 3,38€ après le code. Et pour finir, alors j'ai vu ça de partout et fallait absolument que je m'en achète. Des fois, dans des sortes de bols, il reste un fond de chips pendant les apéros où j'adore me faire des tartinades genre... fromage blanc, thon et tout, quand, où on trempe, les carottes, les tomates, etc. Et je mets toujours du film aluminium parce qu'il reste tout le temps, quoi. Et le problème, c'est que c'est chiant, ça... Voilà, on utilise tout le temps du papier aluminium pour rien. Et j'ai trouvé ces petits trucs où, en fait, justement, c'est pour mettre par-dessus et ça s'étire, quoi. Ça remplace tout ce qui est cellophane, papier aluminium, pour recouvrir bah, les bols. Et là, il y a 6 tailles différentes. Alors je vous montre juste la plus petite et la plus grande. La plus petite, elle est vraiment toute petite comme ça. Donc c'est vraiment pour les petites, au pire les petites tasses à café quoi. Et la plus grande se présente comme ça. Donc là on peut mettre un petit saladier. C'est très pratique. Ceci, j'y ai acheté de base 2,75€ et c'est passé à 2,07€. Donc autant vous dire que c'est pratique et pas cher. Et voilà, j'ai terminé. C'est super longtemps que j'avais pas tourné, donc j'espère que j'ai été quand même assez pro et que ça vous a plu surtout. N'hésitez pas à me dire quel est le vêtement que vous avez préféré, ce que vous voudrez bien voir d'autre, si jamais j'ai oublié des choses à mentionner, ce que vous voulez savoir en plus. Comme ça, ça me permet de m'améliorer pour les futures vidéos. Donc moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo qui est un autre haul Shein, mais l'autre colis. Je vous le mentionnerai de toute façon au début de cette vidéo. Dès qu'elle sera prête. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.